Toi, là, tu es censé esquiver, pas attraper. Si cette balle était une boule de feu, tu serais déjà mort. Vous avez trouvé un chien ? On n'élève pas de Mabari à Orlaïs. Le marchand a dit qu'il avait été abandonné. Je suppose que ses maîtres s'en sont lassés. Pauvre petit. Enfin, il a l'air heureux à présent. Un autre Féreldien coincé au palais d'hiver. Je ne pouvais pas l'abandonner à ce sort. Et puis, je crois qu'il m'aime bien. Vous pourriez l'emmener à Ferelden à l'occasion. Il faut qu'il sache d'où il vient. C'est vrai que j'ai promis à ma sœur d'aller la voir. Elle risque d'essayer de te gâter. N'oublie pas qui est le chef. L'Inquisition va changer après ceci. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Mais maintenant que la certitude fait partie de ma vie, ce n'est pas un conseil qui va changer quoi que ce soit. Épousez-moi. Quoi ? Je veux dire, voulez-vous... Oh. J'avais un plan et il ne comportait pas de chien. Mais vous étiez... Peu importe. Je ne pense presque plus qu'à ça. Et je n'ai pas besoin de plan. Seulement de savoir si vous voulez... Je le veux. Cullen, c'est oui. C'est oui. Les gens vont le remarquer si l'inquisitrice épouse son commandant en plein conseil exalté. Ça risque de mal passer. Mais nous connaissons quelques personnes capables de garder un secret. À cet instant, j'ai l'impression que ça valait la peine de se battre pour tout ça. C'est le cas. C'est le moment où vous faites une promesse. Oh, bien. Je jure devant le Créateur et la Sainte Andrastée d'aimer cette femme pour le restant de mes jours.